Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant, l'identité juive me colle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Être juif, c'est tout simple. Être juif, c'est vouloir rassembler tout le monde. Rassembler autant les juifs que même les non-juifs. C'est tendre la main au monde. Amener de la lumière là où il y a beaucoup d'obscurité. Rendre des choses simples, les rendre sacrées par des choses simples. Aimer les autres, aider les autres. Vouloir tendre la main aux autres. Pour moi, c'est ça être juif. Peu importe, plus religieux, moins religieux, avec qui passe, sans qui passe, si vous avez un problème du fait que vous n'êtes pas religieux, à la limite, ce n'est pas ça l'important. Être juif, c'est vraiment vouloir rassembler, relier les gens et faire en sorte que des gens malheureux puissent sourire, que des gens tristes puissent enfin voir un peu d'espoir, que des gens pauvres puissent trouver des gens qui vont leur tendre la main, que des gens seuls se retrouvent avec d'autres mondes. Être juif, c'est vraiment faire avancer le monde, mais pas au niveau économique, faire avancer le monde au niveau humain, au niveau social, lutter contre tout ce qui est injustice. C'est ça être juif, c'est dans la fibre. Donc ce n'est pas une question de niveau de religion ou de niveau d'études, c'est un niveau au niveau du cœur, au niveau de la conscience, au niveau de la pensée. Être juif, c'est prendre ses mains et les tendre, et puis faire venir les autres à soi. Mais pas pour soi, pour les autres, sans arrière-pensée. Vraiment pour l'autre. Ah, merci. Merci beaucoup.